l'invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être à nouveau à Aix et de rencontrer de nouvelles collègues. La dernière fois où j'étais venue, c'était juste avant le confinement. Donc j'ai gardé cette intervention gravée dans ma mémoire. Mais là, je reviens dans des circonstances plus intéressantes, plus positives, puisque le confinement est loin. Mais le thème que je vais aborder est très, très, très important en réalité. Effectivement, c'est ce thème de l'universalisme qui est en question. Alors, rien ne va de soi, et rien ne va jamais de soi dans la vie des êtres humains, des institutions, mais également dans l'élaboration et l'adoption d'instruments juridiques. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont on célèbre, vous le savez, officiellement tous les 10 ans, depuis 1948 son adoption, qui prit place dans le flamboyant palais de Chaillot au Trocadéro, ne fait évidemment pas exception. Chaque commémoration revisite de façon critique sa genèse, ses racines, son écriture, son contenu, sa portée, sa diffusion et ses déclinaisons juridiques au prisme des métamorphoses du monde et des soubresauts de ce monde. Ainsi, quand la transfiguration du multilatéralisme est à son apogée, et où les discours sur les droits sont absolument magnifiés. On pense bien sûr ici à la conférence mondiale de Vienne de 1993. Eh bien, le 50e anniversaire de la déclaration de 1948, donc son 50e anniversaire en 1998, se déroule dans un contexte international plutôt positif. En revanche, quand le multilatéralisme est attaqué, pour ne pas dire démantelé par une des plus grandes puissances démocratiques d'après-guerre, évidemment, je pense aux États-Unis de Donald Trump, donnant ainsi des ailes à des régimes démocratiques très fragiles, puis à des régimes autoritaires, et quand, de façon concomitante, les replis nationalistes et identitaires constituent la nouvelle frontière idéologique de nombreux États, quand la démocratie libérale, cet horizon considéré il y a encore quelques années comme absolument indépassable, ne suscite plus du tout l'adhésion populaire et se trouve déconstruite, d'ailleurs à dessein, par de nouveaux régimes qui rejettent littéralement ce que toutes les constructions intellectuelles et juridiques d'après-guerre avaient apporté à la protection des droits, la célébration de la Déclaration universelle ne prend plus du tout la même allure. Son 70e anniversaire, célébré en 2019, était déjà très singulier. Aujourd'hui, son 75e anniversaire, qui sera célébré dans quelques jours, va l'être dans un contexte géopolitique intégralement et littéralement dramatique. On sait que les conflits défigurent partout la planète. Alors, il s'agit tantôt de conflits plus ou moins invisibilisés. Je pense au conflit dans le Haut-Karabakh, qui de conflit gelé est devenu brûlant et tragique entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Je pense au Soudan, où les détentions, exécutions arbitraires font rage et où la famine se répand. Je pense au conflit du Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, où le président, il y a quelques années, qui avait reçu le prix Nobel de la paix, a lancé une politique de nettoyage ethnique dans cette partie singulière de son pays. Je pense également aux tueries des djihadistes qui traumatisent les populations du Sahel, qu'il s'agisse du Mali, en passant par le Burkina Faso, mais également le nord de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Cameroun. Il s'agit également de conflits rendus beaucoup plus visibles, au regard notamment de la charge symbolique qu'ils charrient et qui déboussole littéralement le cours de la géopolitique mondiale. Je veux évidemment parler d'un côté de l'agression russe du 24 février 2022 et de la guerre apparemment sans fin qui se déroule à l'est de l'Ukraine, une Ukraine, on le voit en ce moment, à bout de souffle, et de l'autre, de l'agression absolument barbare du 7 octobre 2023 perpétrée par un groupe terroriste en territoire israélien en massacrant plus de 1400 personnes, pacifistes pour la plupart. Et les actions menées par Israël dans le cadre de sa légitime défense faisant en retour, d'innombrables victimes civiles plongent cette région du monde dans l'enfer absolu où chantage, propagande se mêlent au point de brouiller tous les repères et de polariser encore un peu plus le monde. Et les couples conceptuels binaires
agresseur, agressé, dominant, dominé, colonisateur, colonisé, impérialisme, post-colonialisme, simplifie, dénature en réalité des histoires extrêmement complexes. Et dans un tel contexte, tantôt la parole est bridée, l'autocensure se répand, mais quand elle reprend l'envol de la liberté, elle est immédiatement prise en otage par la puissance délétère des réseaux sociaux et de leur bulle de prêt-à-penser qui fabrique des camps idéologiques irréconciliables et empêche le dialogue serein où concorde comme discorde devrait pouvoir s'exprimer sereinement. Bref, la fraternité de l'humanité se brise sous nos yeux. On a affaire à une impuissance intellectuelle et pratique qui assaille nombre d'observateurs et, je dois le dire, qui désespère complètement les humains. Donc, ce monde saisi par le vertige de la haine, une haine viscérale, c'est notre monde aujourd'hui. Un monde où, en outre, le soubassement libéral des démocraties n'est absolument plus désiré, encore moins plébiscité. Et les régimes démocratiques sont aujourd'hui, vous le savez, minoritaires dans le monde, tandis que les autocraties sont majoritaires, en étant bien déterminés à imposer leur style politique et à imposer leur puissance. Et dans la même veine, l'idéal universaliste est non seulement moqué, pour ne pas dire totalement méprisé, pour sa naïveté et son décalage avec la praxis, mais également et surtout rejeté par ce fameux nouveau concept du Sud global, Global South, mais également y compris au sein de ce que l'on appelle, sans doute par facilité de langage, l'Occident, qui est devenu un concept cible dans un monde totalement polarisé. Et dans le même temps, les discours critiques sur les droits de l'homme se radicalisent et les systèmes juridiques créés pour les protéger subissent des attaques frontales et violentes qui vont jusqu'à leur dénonciation. Bref, le constat est clair, l'époque est plus que jamais celle de la victoire des ennemis du droit. Des droits. Ils ont, ces ennemis des droits, dépassé le petit monde académique, cet entre-soi d'intellectuels ou des penseurs réactionnaires, dans le droit fil d'une culture dite anti-lumière, ont toujours théorisé et professé de façon critique et ont toujours décliné une analyse très critique sur les droits de l'homme. Mais la différence aujourd'hui, c'est que cette rhétorique est partagée par de nombreux secteurs de la société. La rhétorique qui entend délégitimer même la notion de droit de l'homme et de leur universalisme ou universalité. Cette idée-là a le vent en poupe et avec elle, c'est toute la démocratie libérale qui est aussi démantelée. Donc vous l'avez compris, l'universalisme est définitivement en question. Il est dénoncé de toutes parts. Et avant de tenter de jeter quelques jalons, mais j'espère que j'aurai le temps, pour tenter de reconstruire l'idéal universel. En réalité, ça sera très rapide, parce que ce n'est que le début d'une réflexion sur la nécessité de reconstruire l'universel. En fait, il est absolument nécessaire, et en réalité, ce sera le cœur de mon intervention, d'analyser dans le détail ce que j'ai appelé la convergence des dénonciations, dont vous verrez qu'elle se manifeste à des niveaux très différents, et c'est à dessein que j'ai pris une approche très compréhensive pour analyser tous les niveaux de dénonciation. Donc, convergence des dénonciations, exigence de reconstruction, ce sont les deux temps de mon intervention. Le premier temps sera très très long, le deuxième très réduit, parce que ce n'est qu'une ébauche de réflexion et que je pense que le temps courra énormément. Donc la convergence des dénonciations, c'est une convergence très préoccupante évidemment. Et ici, à des fins de clarté pédagogique, je vais tenter dans un premier temps de montrer la manière et l'ampleur de la remise en cause 1 de l'universalisme des droits, avant de poursuivre avec l'analyse 2 de la remise en cause du modèle démocratique libéral. Ces deux aspects sont, à mon sens, intimement liés et on ne peut pas penser l'un sans l'autre. Car nous savons bien, que le modèle démocratique libéral, même s'il est loin d'être parfait, on est tous d'accord là-dessus, et celui qui a permis jusqu'à présent, et qui permet encore jusqu'à présent, encore aujourd'hui, une protection des droits où leur universalisme est le soubassement. Donc, quelques mots sur l'universalisme des droits en question. Alors, j'ai vraiment adopté une focale très très large pour aborder mon sujet,
plus j'ai commencé à réfléchir, plus j'ai lu, plus j'ai travaillé. Et donc, c'est devenu un travail un peu fluff pour l'instant. Donc, ce sont deux niveaux d'analyse très différents que je vais présenter plus avant. Tout d'abord, la dénonciation des récits sur les droits. Ensuite, la dénonciation des techniques de protection des droits. Donc, d'un côté, l'approche se veut méta au niveau des idées, et de l'autre, elle se veut quelque peu micro au niveau de l'utilisation technique du droit. Mais là encore, les deux approches sont absolument nécessaires pour comprendre les liens entre les discours et les actes. Ainsi, c'est tout à la fois la dénonciation par l'énoncé de discours, mais aussi la dénonciation par les usages stratégiques du droit que je vais tenter d'articuler mes propos. Toutes les analyses critiques des droits et au-delà du droit des droits de l'homme sont systématiquement sous-tendues par des approches idéologiques, de gauche comme de droite, pour faire simple, c'est classique. Ces critiques ont tantôt émané du champ philosophique et politiste, mais aussi du champ juridique. Alors très rapidement, je les mentionnerai ici en passant, uniquement pour rappeler que l'énoncé de discours critique a toujours été au cœur de l'analyse des droits de l'homme. Vraiment, j'irai très vite. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est tout à la fois la charge idéologique démultipliée que de nouveaux discours critiques charrient à la vitesse de l'éclair et qui a absolument transformé et les scènes nationales et la scène globale. Donc, il y a toujours eu une constance de la dénonciation, mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est une révolution de la dénonciation. Alors, quelques mots rapides sur la constance de la dénonciation. Dans le champ du droit, on connaît l'opus ultra classique que tout étudiant en droit a dû lire, celui de Michel Villet, qui a pris très au sérieux les droits pour en faire une analyse intransigeante et décapante dans un petit opus publié en 1983. Et selon le curseur analytique de Michel Villet, les droits de l'homme serait le signe d'une décadence du droit moderne et au-delà de la société moderne. C'est pourquoi, d'ailleurs, il immobilise un droit pré-moderne, incarné par des penseurs comme Aristote ou Saint-Thomas d'Aquin, pour fustiger les droits de l'homme de l'ère contemporaine. Donc voilà un classique dans le champ juridique de la dénonciation des droits de l'homme. Dans le champ des études de philosophie politique et de sciences politiques, il faut savoir que les fondements, la nature, la portée, l'utilité des droits de la personne humaine n'ont eu de cesse d'être discuté, et ce dès le XVIIIe siècle, au point d'avoir engendré des écoles de pensée. Et pour aller vite, je vous renvoie au livre formidable publié par Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère, Le procès des droits de l'homme, qui est une excellente analyse critique des critiques aux droits de l'homme qui se sont manifestées dans le champ de la philosophie politique depuis le XIXe siècle. Plus récemment, c'est carrément l'historiographie de l'internationalisation des droits de la personne humaine qui a fait débat. Une imposante controverse s'est matérialisée autour de l'importance ontologique du tournant 48, matérialisée par la Déclaration universelle des droits de l'homme. À ceux qui estiment que ce moment post-Deuxième Guerre mondiale a incontestablement participé à structurer l'importance accordée aux droits de la personne humaine à l'échelle internationale, d'autres, au contraire, ont valorisé l'émergence des grandes organisations non gouvernementales dans l'internationalisation de l'activisme des années 1970, apogée de la guerre froide. Et pour certains auteurs, comme l'historien américain Samuel Moyne, c'est ce tournant des années 70 qui marque l'internationalisation des droits de l'homme par la création d'un activisme sous-tendu par la création de grandes ONG. Alors, inutile de dire que l'ouvrage de Samuel Moyne a été énormément discuté, critiqué, contesté aux États-Unis et au-delà. Il montre que différents discours ont toujours émaillé le cours de l'analyse des droits de l'homme. Voilà pour rapidement la constance de la dénonciation. Mais je passe, et c'est plus important aujourd'hui, subrepticement à la révolution de la dénonciation. Ce sont deux types de dénonciations que je veux mettre ici en évidence et qui prennent en tenaille les États occidentaux par le haut, par la remise en cause de la doxa du droit international, et par le bas, par la montée en puissance de contestations identitaires au sein même de ces États occidentaux et d'ailleurs d'autres.
États qui ne sont pas occidentaux. Donc d'un côté, on a affaire aux critiques tiers-mondistes et de l'autre, aux critiques identitaires. Les critiques tiers-mondistes, autrement dit, la dénonciation par le haut. Je vais présenter tout à la fois les critiques intellectuelles à travers des grands courants de pensée critiques tiers-mondistes pour ensuite aborder, c'est là toute la difficulté et la problématique, les prolongements politiques de ces dénonciations radicales de l'universalisme des droits. Alors pour les critiques intellectuelles, les théories tiers-mondistes du droit international ont connu grosso modo deux grandes étapes. La première vit le jour dans les années 70, tandis que la seconde, très connue grâce à son acronyme anglais, les TWAIL, Third World Approaches of International Law, est née en 97 et a déplacé considérablement l'analyse critique de la dénonciation. Grosso modo, alors que la première génération s'appuyait avant tout sur les notions de souveraineté nationale et sur le principe d'universalité pour changer l'ordre international établi, les TWAIL développent une analyse critique de ces deux concepts auxquels ils opposent respectivement les principes de la société civile et les principes du pluralisme. Alors la première génération du discours critique se manifeste dans le cadre de la décolonisation, au moment de l'accession aux indépendances, après la fameuse et grande conférence de Bandung en 1955. Une fois la liberté retrouvée, les États et leurs auteurs critiques retournent contre les anciennes puissances coloniales, les droits de l'homme et l'ensemble des mécanismes du droit international. Ainsi, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le fameux nouvel ordre économique international, sont les deux fleurons conceptuels de cette école critique, essentiellement d'ailleurs francophone. Et on y retrouve des figures absolument extraordinaires comme Kebab Bay, Mohamed Bejaoui, Mohamed Benouna, Majid Benchik, mais aussi dans l'univers français, Maurice Flory, Monjouve, Guy Feuillère, Hervé Cassan, ou encore le célébrissime Alain Pelé. Et si le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a porté ses fruits, parfois tardivement, le nouvel ordre économique international n'a pas du tout en revanche fonctionné. Il était vraiment sorti des cerveaux brillantissimes de Mohamed Bejaoui, l'Algérien, et du Sénégalais Kebab Bay. Il n'a pas fonctionné. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que dès leur émergence, le nouvel ordre économique international n'a pas fonctionné parce que, entre autres, la doctrine dominante a totalement disqualifié ce nouvel ordre économique international, le considérant comme idéologique, considérant que ses auteurs étaient des communistes, des utopistes, très peu cohérents, etc., etc. Cette première génération, pour certains de leurs auteurs, a disparu. Je pense aux regrettés Kebab Bay et Mohamed Bejaoui. Et cette première génération d'auteurs critiques a été vertement critiquée par la seconde génération, les TWAIL. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de constater que les auteurs issus de cette Third World Approaches sont tous anglo-saxons. Et la seconde génération tiers-mondiste critique apparaît dans un tout autre concept. C'est l'effondrement de l'URSS, c'est le déploiement de politiques construites par les institutions de Bretton Woods, c'est le développement considérable entre-temps du droit international, tant sous l'angle normatif qu'institutionnel. Si la pertinence du concept de tiers-monde est toujours contestée, cette résistance prend appui quand même sur une nouvelle rhétorique et surtout donc sur un autre contexte. L'autre contexte que je commence à présenter, c'est d'abord le tiers-monde n'est pas homogène. Il y a des tiers-mondes. Comment mettre dans la même bulle conceptuelle Brésil et Taïwan, Bolivie et l'Équateur, l'Ouganda, le Sénégal? Bref, il y a des tiers-mondes où les écarts entre certains pays africains et pays asiatiques et latino-américains, ces écarts sont frappants. D'un côté, le sous-développement ou le mal-développement frappe en continu beaucoup de parties de l'Afrique, pas toutes, mais beaucoup, tandis que de l'autre, on a les BRICS qui sont en pleine expansion économique et beaucoup de pays latino-américains qui découvrent le bonheur de l'implantation du constitutionnalisme libéral dans les années 90. Et ensuite, et surtout, le concept de tiers-monde est contesté au nom d'un universalisme abstrait, la mondialisation. Autrement dit, la fin de la guerre froide aurait permis l'émergence d'un consensus sur le droit international et certaines de ses valeurs qui n'existaient pas auparavant à l'échelle de la planète. Pour le dire encore différemment, la certitude générale était que la mondialisation véhiculerait des concepts universaux, ceux de l'économie libérale de marché, de la mise en place d'élections libres, autant de valeurs communes, marquant pour certains
la fin des conflits idéologiques. C'est donc dans ce concept, dans ce contexte, que la seconde génération d'intellectuels du Sud décida de se réunir, plus particulièrement en mars 97, alors dans le Nord, hein, à Harvard, et plusieurs professeurs venant du Sud, mais enseignant beaucoup dans le Nord, lancèrent un grand programme de recherche avec deux objectifs. Regrouper tous les chercheurs concernés par les défis et les opportunités auxquelles était confronté le tiers-monde et dénoncer une doctrine dominante qui, selon eux, participait à légitimer un processus global tant de marginalisation que de domination des peuples du tiers-monde. Deux idées marquent leur rupture au regard de la première génération des auteurs critiques tiers-mondistes. Tout d'abord, le rapport à l'État-nation, et ensuite, le caractère universel du droit international public et donc des droits de l'homme. Les approches, les premiers auteurs tiers-mondistes développaient une approche très peu critique de l'État. La priorité était donnée à l'indépendance nationale. L'État était considéré comme un tout, transcendant les conflits de classe, de race, de sexe. La principale fonction des élites post-indépendance était de légitimer l'État comme source de régulation sociale. De manière schématique, l'intérêt de l'État était identifié avec celui du peuple. Pour les auteurs Twail, anglo-saxons, ces auteurs de la deuxième génération, s'ils reconnaissent l'importance de la notion de souveraineté étatique pour préserver l'État de toute ingérence dans les affaires intérieures, ils critiquent en revanche très durement le concept d'État souverain, sa construction, mais également, ils vont très loin, son caractère violent et autoritaire. Obioura Okafor, qui est un professeur canado-nigérien, insiste par exemple sur les origines coloniales des États du tiers-monde, dont les frontières ont été imposées par les anciennes métropoles, sans considération pour les réalités sociales et ethniques de ces pays, et de mettre en avant l'exemple topique des États africains qui n'ont pas du tout été le produit de luttes internes, mais un héritage, pour la plupart bien sûr, de la décolonisation et du modèle dominant de l'État-nation, tel que conçu, promu, défini par les anciennes puissances coloniales. Et donc les Twail invitent alors à revoir totalement le rôle de l'État postcolonial dans l'élaboration d'un droit international plus juste et à questionner sa capacité à assurer l'émancipation des peuples du tiers-monde. Et cette critique de l'État suppose, selon eux, d'accorder davantage de place aux luttes sociales et aux revendications locales et de déplacer l'analyse d'une approche principalement étatiste vers la prise en considération des mouvements sociaux et des pouvoirs locaux. Alors, l'autre plan critique concerne spécifiquement, évidemment, le sujet de ma conférence, mais je voulais quand même parler du premier élément critique avant. Il s'agit évidemment de la critique du caractère universel des droits internationaux et plus particulièrement du caractère universel des droits de l'homme. Les Twail reprochent à la première génération des théoriciens tiers-mondistes de s'être réapproprié les techniques du droit international pour l'adapter et le réformer, mais sans à aucun moment questionner les fondements de ce droit international. Du coup, ils adoptent une approche plus radicale et ils invitent à chercher les continuités et discontinuités entre colonialisme et ordre juridique international contemporain, et ce faisant, à dénoncer le caractère faussement universel du droit international. Ainsi, pour eux, il y aurait une instrumentalisation par les États du Nord des grands concepts comme la souveraineté, le développement ou encore l'universalisme des droits de l'homme. Il ne serait que les produits du colonialisme et serait un outil d'ingérence et de légitimation de politiques définies, entre guillemets, par le premier monde. Alors, c'est notamment un auteur très brillant, américano-kenyan, Makao Mutua, qui s'est le plus attelé à la critique de l'universalisme des droits de l'homme dans son important ouvrage, publié en 2008 et intitulé Human Rights, a Political and Cultural Critique, et publié au Pennsylvania Studies in Human Rights. Une critique déclinée dans de très nombreux travaux ultérieurs, notamment dans un article célébrissime, publié en 2001, et intitulé Savage Victims and Saviors, The Metaphor of Human Rights. Dans cet article, il a été publié donc en 2001, il utilise la métaphore sauvage, victime, sauveur, selon laquelle les droits de l'homme, mais aussi la démocratie,
et le libéralisme, qu'il considère comme occidental, sont utilisés pour sauver ce qu'il appelle les sauvages, autrement dit les non-européens, mettre un terme aux souffrances des victimes, généralement non-européennes, et par l'intervention d'un sauveur, les États du Premier Monde. Le langage qu'il utilise est extrêmement fort pour choquer, heurter et déboussoler et pour engendrer la critique. Et pour lui, alors que le mouvement des droits de l'homme s'est construit pour dénoncer et faire face aux atrocités commises en Europe après 1948, eh bien, toutes les activités des organisations internationales qui s'en revendiquent aujourd'hui sont essentiellement centrées sur les États du tiers-monde. Et les violations commises par les États occidentaux, selon lui, échappent largement à leur intervention, et cette dissymétrie participe à véhiculer l'idée selon laquelle les peuples du tiers-monde sont les principaux auteurs victimes et qu'il est par conséquent nécessaire et légitime d'intervenir. Et comment ne pas écouter cette voix incarnant la nouvelle génération d'étoiles ? Quand on rappelle en effet les béances entre le discours sur les droits de l'homme et la réalité. Les nations occidentales ne sont-elles pas en effet un peu trop rapides à se draper dans leur éthique universelle pour mieux promouvoir et défendre leurs intérêts nationaux ? Sont-elles véritablement inquiétées par les mécanismes de sanction du droit international pénal, par exemple, alors qu'elles peuvent être elles-mêmes à l'origine de graves violations du droit international des droits de l'homme ? L'invasion par les troupes américaines de l'Irak, la pratique de la torture dans les geôles d'Abu Ghraib, la zone de non-droit de la prison de Guantanamo, l'utilisation des drones qui tuent sans distinguer les combattants des civils, ne sont-elles pas autant de réalités incarnant l'archétype de la duplicité de l'Ouest ? L'impunité occidentale, accompagnée de son discours moralisateur, pousse donc les autres cultures à s'affranchir d'un universalisme vu comme profondément inique et impérialiste. Et Makao Mutua ne cesse donc de décrier le projet libéral occidental où les droits de l'homme sont centraux au point qu'il serait devenu, selon ses termes, une religion sectaire. Il dénonce l'hypocrisie de l'universalisme qui ignore les autres approches culturelles qui se déploient eh bien, en Chine, en Inde, au Moyen-Orient, en Afrique et qui contestent fortement le corpus normatif de l'universel. Alors, de ces critiques intellectuelles qu'il faut lire, qu'il faut entendre, qu'il faut prendre en considération, il faut passer aux critiques politiques. Le problème, ce n'est pas tant ces critiques, c'est que cette dénonciation intellectuelle qu'il faut entendre, prendre en compte, qui est très puissante en réalité, qui est basée sur une réalité impossible à nier, l'écart entre discours et praxis, a été reprise politiquement, bien sûr, mais là où le bât blesse, c'est qu'elle a été reprise par de nombreux autocrates, qui ont aujourd'hui le vent en poupe, au point que certains auteurs se demandent s'il n'y aurait pas une désoccidentalisation du monde qui est en marche. Je vous renvoie au numéro spécial 2023, numéro 2, de la Revue internationale et stratégique, coordonnée par Didier Billon et Christophe Ventura, où plusieurs auteurs de disciplines différentes discutent ce concept d'Occident et de désoccidentalisation, soit pour y adhérer, soit pour, à l'inverse, le réfuter. Quoi qu'il en soit, les autocrates, plusieurs autocrates, utilisent le concept d'Occident pour mieux le fustiger et opposer en miroir leur culture, pour ne pas dire leur désir de reconstituer leur empire perdu. On connaît les obsessions de Vladimir Poutine pour la puissance impériale russe, Recep Erdogan pour l'empire ottoman, Xi Jinping pour l'empire du milieu. Bon, ces obsessions impériales sont tout à fait significatives des autocrates du moment. En tout état de cause, aujourd'hui, des États ou des groupes d'États représentant d'autres sensibilités, d'autres histoires, d'autres cultures que celles en provenance de l'Ouest utilisent, tel un miroir au texte de 1948, la technique juridique de la déclaration afin d'affirmer et de promouvoir leurs valeurs non occidentales. Et donc, la spécificité culturelle est ainsi brandie au nez de l'Occident comme un étendard politique contestataire, désirant en finir avec ce qui fut longtemps également complexe,
celui de l'État ou du groupe ou de la nation colonisée. Ces États jouent donc sur le mimétisme technique afin de forger des contre-discours. Au langage des droits, ils opposent le langage des cultures. À l'histoire de l'universalisme, ils convoquent celle des particularismes. À l'approche centrée sur l'humain, ils décentrent le débat vers le groupe. L'Asie fut à la pointe dans les années 90 de l'asiatisme, ou plus prosaïquement, de la défense des valeurs asiatiques. Alors bien qu'il y eut une part non négligeable d'éléments très conjoncturels qui poussèrent Lee Kuan Yew, premier ministre pendant 30 ans, du petit micro-État singapourien, situé à la pointe méridionale de la Malaisie, dans le lancement très agressif d'une campagne idéologique contre l'universalisme dit occidental, il ne faut pas négliger ce que cette critique a laissé transparaître à l'époque, une revanche des anciens colonisés qui pouvaient enfin s'opposer frontalement aux anciens colonisateurs. Ensuite, une manière de légitimer une politique ultra-répressive du président de Singapour qui se retrouva sous les feux des projecteurs internationaux. Donc ça, c'était une technique politicienne. Mais en tout état de cause, la rhétorique des valeurs asiatiques repose sur trois prémices. Tout d'abord, les droits de l'homme et la démocratie ne sont pas universels, mais sont uniquement l'apanage d'une construction des sociétés occidentales qui n'a pas à être imposée à l'Asie. Ensuite, les sociétés asiatiques placent les valeurs communautaires et la déférence à l'égard de l'autorité au-dessus de l'individualisme et de la liberté de pensée et d'action de chaque individu. Enfin, l'État et la société sont des composantes d'une seule unité holistique. Partant, une attaque contre l'État constitue automatiquement une attaque contre la société tout entière. Cette approche holistique, évidemment, est très intéressante pour tout type de dictateur. Alors, les implications d'une telle philosophie politique sont très simples. Les droits de l'homme et la démocratie sont des obstacles à la stabilité collective et au développement national qui supposent, à l'inverse, des leaderships autoritaires. C'est totalement assumé dans le discours sur les valeurs asiatiques. Alors si ce débat disparut quelque peu de la scène idéologique asiatique avec les succès politiques et économiques de pays libéraux, au sens économique et politique, comme Taïwan ou la Corée du Sud, il réapparut à la faveur de l'irruption de nouveaux leaders populistes comme Rodrigo Duterte, rappelez-vous, président des Philippines de 2016 à 2022, qui a inventé le permis de tuer, tous les trafiquants de drogue, de Joko Widodo, le président indonésien, qui, pour aborder l'élection présidentielle qui va avoir lieu en Indonésie en 2024, mais à laquelle il ne peut pas se représenter, bien, non seulement propulse son fils dans la campagne, mais s'allie à un de ses anciens adversaires, un ancien général, Subianto, dont la carrière fut entachée de très, très graves atteintes aux droits de l'homme sous la dictature quand ce monsieur, général Prabowo Subianto, était à la tête du pays. Bref, dans ce contexte, la convocation de la religion contre un Occident universaliste sécularisé, où la foi est déposée dans la dignité de l'être humain et non dans ses croyances, est symptomatique de la fracture aussi qui parcourt les autres cultures non occidentales. Et l'exemple du monde arabo-musulman est topique également en la matière. L'Arabie saoudite, qui œuvre de façon puissante au sein de l'organisation de la conférence islamique, a participé à faire adopter au Caire, le 5 août 1990, la déclaration sur les droits de l'homme en islam. Ni son préambule, ni ses 16 articles ne font référence à la Déclaration universelle des droits de l'homme. En revanche, la Oumma islamique y est centrale. Les droits fondamentaux et les libertés publiques sont considérés comme faisant partie intégrante de la foi islamique. Et ce faisant, il est interdit de soumettre l'homme à une quelconque pression ou de profiter de sa pauvreté ou de son ignorance pour le convertir à une autre religion ou à l'athéisme, article 10, ni de contrevenir au principe de la charia, article 22, laquelle constitue la seule source de référence pour interpréter ou clarifier tout article de cette déclaration, article 25. Sur ces questions très complexes, je vous renvoie aux travaux exceptionnels de Dominique Avon
sur la liberté de conscience en général et sur l'histoire des religions en particulier. C'est un spécialiste arabophone de l'islam. Alors le relativisme culturel, fossoyeur de l'universalisme, fut également la technique et la tactique de l'Église orthodoxe russe. En 2006, sous la présidence du patriarche Alexis II, le 10e concile mondial du peuple russe, sous la houlette du métropolite Kirill, chef du département des relations extérieures de l'Église orthodoxe, eh bien, adopté une déclaration des droits et de la dignité de l'homme, véritable alternative à la Déclaration universelle de 48. Et elle s'oppose explicitement aux excès de l'individualisme et considère qu'il est impossible de détacher les droits de l'homme de la morale. Donc vous voyez, de la présentation des critiques délivrées par les Twayle aux énoncés déclaratifs politiques en provenance d'Asie, du monde arabo-musulman ou encore orthodoxe, on prend la mesure de l'omniprésence d'un discours de dénonciation qui s'inscrit globalement dans un rejet viscéral de la logique de domination qui a pris corps, pour aller vite, hein, dans les grandes entreprises coloniales et impériales et qui n'ont pas épargné certaines régions du monde, se situant d'ailleurs aussi géographiquement au nord, comme l'Europe centrale et orientale. Alors, à cette dénonciation par le haut s'ajoute une dénonciation par le bas, celle qui se manifeste au cœur même des sociétés occidentales, par des pans entiers de leur population qui, en quelque sorte, se réapproprient un discours où la logique binaire domination-dominée reprend ses droits et valorise l'identité avant l'universel, parfois même l'identité au détriment de l'universel. Je m'explique. Quelques mots sur ces critiques identitaires. On va voir que ce sont tout à la fois les identités raciales et sexuelles d'un côté, mais également religieuses de l'autre, qui sont au cœur des critiques identitaires. Quelques mots sur les identités raciales et sexuelles. Pour comprendre la genèse des critiques identitaires, il faut remonter à ce que des savants, et pas moi, font remonter à l'étincelle originale dans le Paris des années 50 et 60 et la pensée postmoderne comme celle de Michel Foucault, où se trouve le rejet de tous les grands récits, notamment le rejet du marxisme. Et ce rejet des récits, de l'idée qu'il n'y a pas de valeur universelle, de vérité universelle, et que même le marxisme n'est pas une vérité universelle, car il était prégnant à l'époque, ce rejet a mené des théoriciens postmodernes à nourrir un grand scepticisme envers toute prétention à la vérité objective, de même et surtout qu'envers l'universalité des valeurs, de certaines valeurs. Et par la suite, là aussi pour aller très vite, une partie de la gauche américaine est dans son sillage. De nombreux autres mouvements et ou partis de gauche à travers le monde entier décidèrent stratégiquement d'accorder une attention grandissante, non plus comme telle aux luttes de classe, qui était le sel de la gauche, mais plutôt aux oppressions liées aux origines ethniques, au genre, à la sexualité, à la religion. Et les combats donc, pour la lutte contre les inégalités sociales furent supplantés par un combat pour la valorisation, la fierté des cultures, des identités. Et une des raisons profondes de cette approche identitaire est un très profond pessimisme découlant, en fait, ça c'est très important à comprendre, d'une immense déception. La déception qui découle des échecs aux États-Unis pour la lutte pour les droits civiques. Pour beaucoup de ces auteurs postmodernes américains de gauche, le rêve, la prophétie de Martin Luther King est un échec. Le « I have a dream » a été un échec. Et ainsi, des auteurs très forts, très puissants comme Ta-Nehisi Coates, je vous conseille de lire « Une colère noire, lettre ouverte à mon fils », revendique donc une approche beaucoup plus radicale, quasi révolutionnaire, considérant en fait que la possibilité du progrès pour une société plus juste n'existe pas. Et c'est dans cette mouvance que le mouvement Black Lives Matter, entre autres, est né, devant les échecs de la politique considérée comme beaucoup trop idéaliste des Martin Luther King et aussi des Mandela. Et donc dans ce contexte,
Il y a des auteurs extrêmement puissants qui ont vu le jour. Les professeurs d'université, Edward Said, le palestino-américain, connu pour son essai sur l'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident, publié en 78, l'Indienne Gayatri Spivak, figure de proue féministe des Subaltern Studies, l'Africain-américain Derrick Bell, fondateur de la théorie critique de la race, et la très connue professeure de droit féministe, Kimberlé Crenshaw, l'inventrice de la notion d'intersectionnalité. Et la pensée de ces auteurs a été utilisée, une pensée extrêmement sophistiquée, hein, a été utilisée sur les campus américains par de très nombreux activistes pour penser les luttes, non plus en termes sociaux, mais en termes radicaux, de genre, de sexualité, d'intersectionnalité, au point d'ailleurs, et Kimberlé Crenshaw l'a souligné dans une interview en 2020, au point de dénaturer les pensées subtiles de ces auteurs intellectuels nord-américains, comme elle a elle-même reconnu. Et Yascha Mounk, dans son dernier ouvrage, que j'ai amené pour que vous le voyez, parce qu'il est encore mon livre de chevet, « Le piège de l'identité », comment une idée progressiste est devenue une idéologie délétère, paru donc à l'instant, enfin en français, traduit de l'américain, 2023, aux éditions d'Observatoire. Dans son essai, Yascha Mounk démontre à merveille la fulgurance de la diffusion de cette nouvelle critique du fait de l'accélérateur à particules que constitue l'Internet et les effets d'une petite plateforme créée en 2017, pratiquement oubliée de nos jours, qui s'appelle, alors je ne sais pas comment on le prononce, Tumblr, T-U-M-B-L-R, Tumblr. Elle est apparemment aujourd'hui, mais je ne suis pas spécialiste de l'Internet, totalement disparue. Mais il explique très très bien, très finement, comment cette vulgate identitaire, cette pensée critique fine intellectuelle de gauche américain, aurait pu être circonscrite à des revues spécialisées, a en réalité inondé les campus, les grands médias classiques, le New York Times, le monde de l'entreprise, incarné par les grandes multinationales comme les start-up, grâce aux effets de la bulle Internet constituée par Tumblr et ensuite tous les autres moyens de communication jusqu'à TikTok, évidemment, aujourd'hui. Donc, alors qu'on aurait pu penser qu'Internet devait contribuer à amoindrir les différences, en reliant les gens à travers le monde, en parlant immédiatement et communiquer immédiatement avec d'autres personnes à travers le monde, en fait, à l'inverse, Internet a créé un monde et toutes ces plateformes numériques où les identités prolifèrent et entrent en concurrence, et où les personnes se définissent avant toute chose par leur appartenance à une communauté ethnique, sexuelle, religieuse, culturelle. Cette approche engendre, il faut que vous en soyez conscient si d'aventure vous ne l'êtes pas, aux États-Unis, un discours dominant incroyable qui est en train de substituer à l'universalisme une forme de séparatisme au nom du progrès, de séparatisme progressiste, des écoles, des universités, des fondations, des entreprises, considèrent qu'il est de leur devoir d'encourager activement la population, leurs membres, hein, à se concevoir soit en tant qu'être racisé, soit en tant qu'être trans, soit en tant qu'être homosexuel, soit en tant que musulman, soit en tant que juif. École, université, entreprise considèrent aujourd'hui qu'il y va de leur responsabilité de traiter les gens différemment selon leur groupe d'appartenance. Autrement dit, alors qu'il a fallu une guerre civile aux États-Unis, alors qu'il a fallu des années de bataille de droit civique et des arrêts révolutionnaires de la Cour suprême pour organiser la déségrégation, aux États-Unis, en ce moment, on réintroduit la ségrégation au nom du progrès et au nom d'une idéologie qui avait l'air d'être progressiste, comme le souligne Yascha Mounk, mais qui devient une idéologie absolument délétère. Ainsi, au début du XXe siècle, on a affaire à des discours critiques qui ont déferlé, grâce aux plateformes, vers les journaux, des journaux vers les entreprises, vers les téléphones portables, vers les ordinateurs, où les individus
toujours connectés sous peine de se sentir totalement has-been, ont vécu directement la métamorphose du rapport à la dénonciation. De purement intellectuelle et circonscrite, elle est devenue sociétale et globale. Dit autrement, elle a envahi totalement les discussions politiques au sein des sociétés, qu'elles soient démocratiques ou pas d'ailleurs. Il y a donc là une capacité qui n'existait pas auparavant de ces nouvelles dénonciations, d'envahir l'espace public, national et global, d'en faire une ligne de démarcation idéologique qui structure en retour toutes les prises de parole, bien au-delà du petit monde feutré qui nous caractérise aujourd'hui des amphithéâtres, des salles de conférences, des revues spécialisées. Et ce mouvement critique radical a déferlé évidemment au-delà des frontières des États-Unis, au Canada, en Amérique latine, en Europe, où de nombreuses sociétés sont en quête, on le sait, on le vit en France en ce moment tous les jours, sont en quête très complexe d'un équilibre. Et pour cause, parce que ces sociétés font face aux lacunes ou aux errances de l'intégration de nombreuses minorités. Ces dernières, ces minorités, sont transformées en effet de plus en plus... Enfin, les sociétés occidentales sont transformées de plus en plus rapidement par l'arrivée régulière de nouveaux migrants, en fonction des soubresauts du monde, en fonction des guerres, des cataclysmes, de la pauvreté. Et ces sociétés n'ont pas pu, n'ont pas su, n'ont pas voulu, ou ont mal fait, activer les leviers positifs d'une intégration réussie et donc sereine. Du coup, l'accélération des désastres à travers le monde ne permit point que des politiques publiques basées sur l'inclusion aient eu le temps de produire leurs effets dans de nombreuses sociétés occidentales, puisque les mouvements migratoires n'ont de cesse de s'accélérer en engendrant une diversité toujours plus grande au sein de sociétés qui font face, en outre, de plein fouet, à des chocs économiques. Donc ici, on a un cocktail explosif pour la ghettoïsation d'un côté, les ressentiments de l'autre. Et les ressentiments, on le sait, quand ils sont systémiques, ils sont très dangereux. Donc en France, le débat est très, très, très puissant, parfois très cinglant, et ils opposent des auteurs qui entendent continuer à s'arrimer aux valeurs traditionnelles de la gauche et des luttes sociales, avec en ligne de mire l'universalisme des droits. Je pense par exemple à Luc Ferry, à Rachel Kahn, ou encore à Stéphanie Rosa, des auteurs assez médiatisés, c'est pour ça que je les présente, et de l'autre, des auteurs qui, au contraire, estiment que l'universalisme, à la française, comme ils disent, eh bien, est un cache-misère d'une domination post-coloniale et qui découle de sa feu mission civilisatrice et qu'il faut entièrement déconstruire pour éventuellement lui accoler une nouvelle signification. Et là, je pense, par exemple, une figure très importante dans le paysage français, à Rokhaya Diallo, ou encore aux deux auteurs d'un petit opus publié dans la collection et aux éditions Anamosa en 2023, qui s'appelle Universalisme. Ces deux auteurs sont Julien Suodo et Mam Fatun Yang. Et en un mot, pour eux, ils se disent universalistes, ils se disent républicains, mais ils se disent aussi décoloniaux. Et ils considèrent que si le colonialisme au sens strict et historique n'est plus, la colonialité, comme ils l'appellent, elle demeure. Et donc, ils sont extrêmement durs à l'égard de l'universalisme français, en l'occurrence. Bref, dans cette vaste constellation des identités magnifiées, revendiquées, affirmées, affichées, les identités raciales et sexuelles sont vraiment au-devant de la scène médiatique et irriguent tous les interstices de la vie en société. Des universités où nos étudiants arborent avec fierté leurs identités, notamment sexuelles, du monde des arts, cinéma, littérature, de la publicité. Bref, les identités s'affichent. Et dans ce contexte, il n'y a pas que les identités sexuelles et raciales. Il y a aussi les identités religieuses. Et c'est très important ici, et j'insiste, il convient aussi d'affirmer qu'un autre phénomène concomitant se déploie, où là, ce sont les identités religieuses qui s'érigent en étendard contre l'universalisme, toujours analysé comme un concept eurocentré, permettant la reproduction de toute une série de dominations découlant d'un impérialisme triomphant. Et les valeurs charriées par le monde occidental sont donc doublement mises en cause de l'intérieur par deux types de populations qui sont reliées entre elles par un point commun, l'importance de leurs croyances religieuses. Et là s'arrêtent toutefois les analogies, car les uns, les musulmans, sont
des ressortissants de pays occidentaux qui, à titre individuel, entendent vivre selon leurs us et coutumes, et les autres, les chrétiens, voient leur identité être utilisée, pour ne pas dire instrumentalisée, aujourd'hui en Europe de l'Est, par des gouvernements illibéraux qui sont entrés en dissidence contre l'Occident en démantelant un à un les éléments des régimes démocratiques libéraux. Je reprends le premier point et aussi le second. De nombreuses populations de confession musulmane sont nées et vivent sur le sol de moult pays occidentaux, conséquence complexe de l'augmentation des flux migratoires, dont on sait qu'ils découlent de la colonisation, accentuée par la globalisation et la perpétuation des conflits en tout genre dans le monde. Très souvent, au mal d'intégration, ces populations ont tendance à se replier sur leur culture d'origine, se sentant, à tort ou à raison, rejetées, sensibilisées au discours religieux conservateur, alimentées par des réseaux puissants, où les contre-discours lancés contre l'universalisme font floresse. Ces populations revendiquent de façon visible leur appartenance religieuse. Et dans le cadre de constructions individuelles et collectives très complexes, ces manifestations ont de multiples sens. Tout à la fois exercice paisible d'une religion, par l'affirmation d'une autonomie personnelle, mais également, aussi, une revanche politique, comme descendant d'anciens peuples colonisés, alliés très souvent à une revendication identitaire. Cette irruption de la religiosité dans les sociétés occidentales, qui étaient largement sécularisées, engendre des tensions, des incompréhensions et parfois des conflits caractérisés. Et ces multiples niveaux, vous le voyez, de la dénonciation de l'universalisme, assimilé à un Occident dominateur et impérialiste, des critiques tiers-mondistes par le haut, par le droit international, des critiques identitaires, celles qui sont au cœur de nos sociétés, qui émergent par le bas, ont évidemment engendré de multiples transformations, car la dénonciation s'est prolongée par un usage stratégique du droit international et du droit national. Donc à la dénonciation par l'énoncé de discours disruptifs, eh bien, a été complétée par une dénonciation utilisant stratégiquement le droit. Alors, je vais dérouler ce point, la dénonciation par les usages stratégiques du droit. Et comme je vois que le temps avance, et que je crois que j'en ai pour 2 heures en réalité, donc je m'arrêterai là, et éventuellement je vous annoncerai mon plan par la suite. Je vous dirai 2-3 mots de la reconstruction nécessaire en vous présentant plusieurs auteurs qui m'inspirent beaucoup. Et puis on pourra ouvrir la discussion, parce que sinon je crois qu'on est jusqu'à 21h. Alors je finis quand même ce point, la dénonciation par les usages stratégiques du droit. À ce stade, je ne vais vraiment présenter qu'un échantillon très superficiel de 2 techniques où le droit a servi à dénoncer le droit des droits de l'homme. Soit en tentant d'influencer le cours des choses, et plus spécifiquement d'influencer les décisions de justice afin que le droit évolue pour prendre en considération certaines approches identitaires, et je focaliserai sur l'approche identitaire religieuse, soit en se mettant carrément hors jeu. Et on verra que sur ces 2 types de dénonciation, et en utilisant le droit, il y a 2 niveaux d'analyse, parce que d'un côté, les stratégies d'influence sont développées par des groupes ou des individus, et les techniques de hors-jeu pour dénoncer un universalisme, un multilatéralisme qui ne sied pas à certains, là, est le fait des États. Donc, stratégie d'influence d'un côté développée par les groupes, technique de hors-jeu développée par les États. Quelques mots sur les techniques d'influence des groupes. Les techniques d'influence consistent à jouer sur la multiplicité des foras judiciaires de protection et ou de tenter coûte que coûte, grâce au mécanisme de ce qu'on appelle en droit international des droits de l'homme la tierce intervention, de modifier le cours de la jurisprudence sur l'interprétation des droits. Ainsi, il faut savoir que beaucoup de groupes religieux, groupes musulmans comme groupes chrétiens, n'hésitent pas, dans une stratégie extrêmement bien pensée, à utiliser les mécanismes de protection des droits pour porter sur les scènes judiciaires leurs revendications identitaires religieuses. Si les activistes musulmans échouèrent devant la Cour européenne à obtenir la mise en jeu de la responsabilité internationale de la France du fait de l'interdiction de la burqa dans l'espace public,
ils réussirent à obtenir, devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, à obtenir l'idée que le port de la burqa n'est pas contraire au droit international des droits de l'homme. Il ne faut pas être naïf, il y a des stratégies contentieuses où certains individus sont pris en charge par des groupes qui les soutiennent pour faire valoir leurs identités. Derrière un requérant, en réalité, il y a des groupes qui défendent des points de vue très particuliers. Donc, ce faisant, la stratégie qui consiste à user habilement du forum shopping porte à ses fruits, là en l'occurrence, parce qu'on a une disjonction entre l'affirmation de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire SAS contre France qui valide l'interdiction de la burqa, et puis une décision contraire du Comité des droits de l'homme qui condamne au contraire la France pour cette interdiction. Voilà pour le contentieux stratégique en provenance des groupes musulmans. Mais il y a à l'opposé du spectre religieux les chrétiens, qui s'organisent également afin de faire valoir une autre interprétation des droits beaucoup plus conforme à leur foi religieuse. La guerre des cultures, qui est née aux États-Unis dans les années 90, à travers la création de très puissantes ONG conservatrices, qui se sont implantées en Europe, pour certaines d'entre elles, sont en train d'irradier le champ des prétoires judiciaires. Et toutes les questions sociétales, la famille, le mariage, la religion, la vie, la mort, l'avortement, le mariage homosexuel, des questions très sensibles qui polarisent les sociétés, brouillent la qualité des débats, eh bien, sont utilisées grâce à des recours et des alliances stratégiques par ces ONG religieuses pour faire valoir leur point de vue. Je vous renvoie aux travaux exceptionnels de Christopher McGridden, qui a écrit un livre entier publié chez Oxford University Press en 2018 sur la litigation religions, comment les religions utilisent tous les forats judiciaires pour faire valoir leur identité religieuse et défendre l'interdiction de l'avortement, s'opposer au mariage pour tous, etc., etc. Alors, je vous informe aussi qu'il y a eu une antenne créée par les Américains, hein, aux États-Unis. Une des ONG ultra-conservatrices s'appelle l'American Center for Law and Justice, créée par un juif converti au christianisme, qui est une association qui est née en totale opposition, pour faire opposition à l'association historique américaine qui a lutté pour les droits civiques. Donc ça vous montre un peu l'orientation religieuse et idéologique. Cette ONG a créé une antenne. Elle a son siège à Strasbourg. Elle s'appelle le European Center of Law and Justice. Et son directeur, Gregor Pupink, déploie des stratégies multiples et variées, rapports, tierces interventions, presque diffamation en utilisant les canaux de Valeurs Actuelles, diffamation de la Cour européenne, en considérant que la Cour européenne est infestée de juges dits Soros, c'est-à-dire des juges qui, dans leur carrière, avant leur nomination à la Cour européenne, avaient eu de près ou de loin des liens avec des grandes ONG libérales comme Human Rights Watch, Amnesty International, la Commission internationale des juristes, ou encore Open Society Justice Initiative, qui est un grand réseau d'ONG créé par le gouverneur, enfin, par le grand milliardaire américain d'origine hongroise, George Soros. George Soros est devenu, pour cette ONG religieuse, et Gregor Pupink, l'homme à abattre, parce que George Soros défend des sociétés ouvertes, multiculturelles, où tout le monde, quelle que soit sa couleur, son identité, ses origines, peut s'exprimer, se marier avec qui il veut. Donc, c'est en totale contrariété avec les valeurs religieuses ultra-conservatrices de Gregor Pupink et de son ONG. Et donc, les stratégies que déploie cette organisation sont incroyables, et notamment la publication de rapports, l'entrisme au sein du Conseil de l'Europe avec son statut d'observateur, etc., etc. Donc, les stratégies d'influence, il ne faut pas les négliger. Et ce monde souterrain, totalement invisible pour ceux qui ne connaîtraient pas ces stratégies, quand on les découvre, quand on l'analyse, sont assez, je dois dire, terrifiantes. Les techniques de hors-jeu des États. Et donc là, vous voyez, on est à un autre niveau. J'ai vraiment à chaque fois mélangé différents niveaux, mais pour vous montrer le spectre de l'ampleur du sujet. Les techniques que j'ai appelées les techniques de hors-jeu des États
Ce sont celles qui sont utilisées par les États pour souverainement, et ils en ont le droit et la capacité technique et juridique de se mettre en marge, en usant de la technique de la dénonciation, là pour le coup, technique, juridique, autant entendu au sens strict, grâce à des clauses de dénonciation qui existent dans les organisations internationales, dans les traités de protection des droits de l'homme, et aussi qui existent en tant que clauses de juridiction des cours, quand les États peuvent parfaitement dire à un moment donné, là je n'accepte plus la juridiction de la Cour, quand ces clauses sont encore des clauses facultatives, comme en Amérique latine et en Afrique. Il y a là une volonté de contourner le multilatéralisme post-Deuxième Guerre mondiale par une stratégie de sortie. On s'en va. Et cette politique juridique extérieure qui marque une radicalité affichée très forte, c'est vraiment démontrer un nouveau rapport au monde. C'est une auto-exclusion des forats de coopération mis en place après 1945. Et ça dit beaucoup de la mise à l'écart et du rejet des outils du multilatéralisme. En 2021, au sein de la Revue générale de droit international public, eh bien, Philippe Frumer, qui est un universitaire belge, utilisait une très jolie formule issue d'une chanson absolument iconique de Serge Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais, pour caractériser ce phénomène grandissant en droit international. Et ce phénomène, et c'est ça qui est très préoccupant, traduit la volonté des États de se soustraire évidemment à certaines obligations internationales qui les contraignent et qui ont toutes un lien plus ou moins direct avec l'universalisme du droit et du droit international et du droit des droits de l'homme, mais c'est aussi une manière de vouloir créer un monde alternatif. Et cette politique de « je suis venu te dire que je m'en vais », elle provient tout à la fois d'États démocratiques, mais aussi d'États non démocratiques. Et c'est ça qui est très, 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 très préoccupant. Rappelez-vous Donald Trump. C'est l'approche états-unisienne qui a frappé tous les esprits, dont sa mise en œuvre fut massive et rapide. America First fut tout le soubassement idéologique de cette politique radicale de rupture. Et Trump a voulu consommer le divorce avec le multilatéralisme et toutes les institutions du multilatéralisme d'après-guerre. Je vous rappelle quelques éléments, mais on les a presque oubliés. 23 janvier 2017, ils annoncent avec fracas leur retrait du traité de libre-échange transpacifique. Je parle des États-Unis. Le 1er juin 2017, ils poursuivaient en se retirant de l'accord de Paris sur la lutte pour le réchauffement climatique. Et quelques mois plus tard, octobre 2017, les États-Unis s'est retiré de l'UNESCO. Le désengagement continua en 2018 avec le retrait du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et de l'accord sur le nucléaire iranien, etc., etc., etc. Alors, le plus souvent, toutefois, ce sont des États qui jouent, les États qui jouent leur jeu sont des États autoritaires. Forcément, ils ont eu des ailes quand la première puissance démocratique au monde joue ce petit jeu. Mais qui est vrai, cette première puissance démocratique au monde, elle était à l'époque sous la férule d'un être étrange. Mais n'empêche, il a donné des ailes. Le Nicaragua, je ne sais pas si vous le savez, aujourd'hui, le Nicaragua de Daniel Ortega est tombé dans la terreur. Et pour continuer à perpétrer massacres, disparitions forcées, tortures, viols, élimination des dissidents, on n'en parle pas, hein, c'est un autre conflit invisibilité. Qu'a fait Daniel Ortega? Il s'est retiré de l'Organisation des États américains. C'est comme ça, il est tranquille, il n'est plus sous le contrôle de l'OEA. De même, le Venezuela de Nicolas Maduro, il a dénoncé tout à la fois la juridiction de la Cour interaméricaine en 2012, son appartenance à l'Organisation des États américains en 2017. Et maintenant, si vous suivez un tout petit peu l'actualité, vous avez dû vous rendre compte que certainement entraîné par l'aventure poutinienne en Ukraine, mais il est en train d'essayer de faire la même chose avec son voisin, la Guyana, et il a demandé à son peuple, qui a dit oui, s'il pouvait annexer l'Essequibo, qui est une région transfrontalière du Venezuela, qui appartient au Guyana, mais dont on vient de découvrir des richesses en hydrocarbures démentielles. Et pour ce faire, il a littéralement décidé de ne pas suivre l'ordonnance
de mesures conservatoires délivrée par la Cour internationale de justice le 3 décembre 2023, qui lui demandait instamment, car l'affaire est devant la Cour internationale de justice, pour la délimitation de la frontière, qui lui demandait instamment de ne rien faire pour pas perturber le traitement judiciaire de l'affaire. Que nenni, Maduro, il ne respecte pas la Cour internationale de justice. Là, il l'a utilisé, il a accepté de présenter l'affaire devant la Cour internationale de justice. Puis tout d'un coup, il a décidé de jouer un autre jeu, de jouer le jeu de la force. Alors, la région est en ébullition. Le Brésil est en train d'avancer ses pions militaires à sa frontière aussi pour venir en aide éventuellement au Guyana. Enfin, vous vous rendez compte que la stratégie de dénonciation engendre à l'échelle géopolitique des travers extrêmement, extrêmement graves. Je terminerai cette politique de dénonciation par ce qui se passe en Afrique. En Afrique, c'est le dogme de la non-ingérence dans les affaires intérieures qui fut l'argument avancé par les gouvernements de Paul Kagame du Rwanda, de John Magufuli en Tanzanie, de Patrice Talon, autoritaire, au Bénin, d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, pour ne plus être sous la juridiction de la Cour africaine des droits de l'homme. Et ces pays, respectivement, en 2013, 2019 et 2020, dénoncèrent la juridiction de la Cour africaine des droits de l'homme. Le Rwanda n'accepta pas un seul instant que les opposants politiques à Kagame puissent faire valoir leurs droits devant la Cour d'Arusha. La Tanzanie estima insupportable de voir tout son système judiciaire contrôlé par la Cour africaine, qui démontrait que son système judiciaire n'était vraiment pas à la hauteur d'un État démocratique. Et le Bénin et la Côte d'Ivoire sont sortis du système juridictionnel parce qu'ils s'insurgèrent contre la politique jurisprudentielle de la Cour africaine, qui consistait à donner la voix, enfin, à permettre que des opposants politiques, là encore, puissent utiliser les ressorts judiciaires devant la Cour africaine. Et à cet égard, ça a permis à la Cour africaine de rentrer dans le contentieux des élections politiques. Et le fait que la Cour africaine, en toute non-audace, c'est-à-dire en toute légitimité et légalité, j'allais dire en toute conventionnalité, tant les textes africains lui permettaient de le faire, en commençant à examiner la pertinence du contentieux électoraux dans ces États africains, Bénin et Côte d'Ivoire se sont rebellés en mettant en avant l'argument non-ingérence dans les affaires politiques et électorales. Madame la Cour africaine, vous allez trop loin, donc dénonciation. Donc, on le voit, il y a un lien qui se dessine ici très clairement entre les politiques de hors-jeu déployées par les États et leur rejet des contraintes liées au fonctionnement des démocraties. Et c'était ma transition pour arriver à ma deuxième partie de la première partie, donc vous voyez que j'aurais jamais eu le temps de finir, pour parler de la mise en question de l'universalité du modèle démocratique, mais on pourra parfaitement en parler pendant la discussion. Je passe tout ça, mais je veux quand même vous dire quelques mots, sur la nécessité, parce que je continue d'être une universaliste convaincue, la nécessité absolue d'une reconstruction de l'universel. Pour ceux qui ont encore cet idéal-là en tête, car en réalité 48 est un idéal à poursuivre, c'est pas une imposition, c'est un idéal à atteindre qu'aucune des démocraties n'atteint parfaitement, mais que cet idéal doit toujours être notre curseur. Et donc il faut repenser, il y a une exigence de la reconstruction de l'idéal universel. Et pour cela, pour essayer de commencer à réfléchir, mais c'est vraiment encore très, très, très balbutiant, il faut à la fois des reconstructions conceptuelles et des reconstructions pragmatiques. Et pour les reconstructions conceptuelles, je vais vous parler de deux auteurs que j'admire beaucoup, qui sont vraiment mes livres de chevet. Le premier s'appelle Souleyman Bachir Diagne. Et vous pourrez découvrir son parcours absolument exceptionnel dans son magnifique livre qui retrace sa trajectoire personnelle qui s'appelle « Le fagot de ma mémoire », publié en 2021. Lisez ce livre, la plume y est splendide et vous découvrirez son parcours. Et puis l'autre auteur que j'aime beaucoup depuis le livre que j'avais lu, qu'il avait écrit en 2020, qui s'appelait « Le peuple contre la démocratie » et qui m'avait permis de comprendre beaucoup de choses sur le populisme, là c'est son deuxième ouvrage, « Le piège de l'identité » que je suis en train de finir de lire. Alors, ces deux auteurs sont importants.
en ce qu'il propose différents chemins pour retrouver ou pour repenser, pour reconstruire l'idéal de l'universel. Souleymane Bachir Ndiaye s'inspire de Merleau-Ponty, c'est un philosophe, hein, Souleymane Bachir Ndiaye, qui a œuvré longtemps, qui a fait toutes ses études en France, au Sénégal, en France, puis maintenant aux États-Unis, puisqu'il est professeur à Columbia depuis de nombreuses années. Il s'est, comme philosophe, des sciences et des religions aussi, il s'est inspiré de Merleau-Ponty, qui avait utilisé cette expression d'universel de surplomb et d'universel latéral, en disant qu'il faut absolument créer un universel horizontal, faire arriver à comprendre que l'universel de 48, notamment, n'est pas un universel de surplomb, n'est pas un universel impérialiste, n'est pas un universel occidental. Et donc, pour arriver à ce but, il parle d'universel horizontal ou multilatéral ou encore latéral. Et il dit, l'universel, c'est comme le multilatéralisme, il doit être constamment discuté, constamment négocié. Pour vous dire à quel point cet homme est merveilleux, c'est que, absolument enchanté de ses travaux, un jour je lui ai écrit, j'ai trouvé son mail, je lui ai écrit, je lui ai dit, j'aimerais vous rencontrer. Et de passage apparu, eh bien nous avons discuté autour d'un beau repas. Mais du coup, découvrant l'immense humanité du personnage, c'est vraiment un être hors norme, j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer. Il a fait partie des 9 personnalités auditionnées par le comité de pilotage mis en place par l'Institut de droit international, qui, pour fêter ses 150 ans, a, sous la houlette de Catherine Kessé-Jean, professeure émérite à Paris 2, a mis en place des comités de pilotage sur des thèmes précis. Et j'ai eu la chance de diriger le comité de pilotage sur les droits de la personne humaine. Et on a publié un livre blanc. Pour ce faire, on a auditionné 9 personnes venant de tous les horizons du monde entier, philosophes, juristes, anthropologues, du Nord, du Sud, etc., pour avoir la vue la plus précise sur les droits de la personne humaine. Et vous pourrez trouver ce livre blanc et bien d'autres extraordinaires sur l'Anthropocène, sur les organisations internationales, sur la démocratie, sur le site de l'Institut de droit international, qui s'intitule l'Institut de droit international, Construire demain, Building Tomorrow, Construire demain. Bon. Et donc, vous verrez que sa pensée irradie un peu, entre autres, une partie du livre blanc. Vraiment, l'écouter fut une source de grande inspiration pour penser l'universel dans un monde où l'Europe n'est plus le centre. L'Europe n'est plus le centre. Et il le rappelait encore dans un interview, un échange à la revue Cité en 2022. Donc ce monde qui n'est plus européo-centré et qui est profondément pluriel n'empêche pas du tout, selon lui, qu'il faille renoncer à l'universel. Je le cite, c'est issu de son entretien à la revue Cité. Il signifie simplement que l'universel est à penser autrement. Ce n'est plus un universel vertical qui tombe d'en haut depuis un lieu qui serait érigé lui-même en centre et origine de toutes les valeurs, mais c'est au contraire un universel de la rencontre, un universel qui part de la pluralité du monde, c'est-à-dire un universel multilatéral. Donc, c'est très intéressant de voir que cette idée diffuse, puisque récemment, l'historien Antoine Litty, titulaire d'une chaire au Collège de France, en tant que spécialiste des Lumières, inscrit ses pas dans ceux de Merleau-Ponty et dans ceux de Souleymane Bachir Ndiaye, et plaide également pour sauver l'universel de l'eurocentrisme. Dans sa leçon inaugurale, Antoine Litty, et dit encore autrement, il faudrait arriver à dissocier l'universel de l'uniformité. Alors, évidemment, à ce stade, la question qui est la nôtre, nos juristes, si d'aventure on adhère à cette approche d'un universel latéral, multilatéral, de la rencontre, du dialogue, c'est la suivante, elle n'est pas des moindres. Comment faire accepter que la déclaration universelle, adoptée après de très grandes batailles idéologiques épiques qu'on oublie en 48, et où toute une partie du monde, il faut aussi le dire, n'était pas représentée, soit vue par le reste du monde comme un texte permettant le pluriel, permettant le dialogue, permettant la rencontre. Comment faire que ce texte soit un texte de dialogue où les pluriels rejoindraient l'universel ? Comment expliquer qu'elle constitue un idéal sans cesse à conquérir et non une imposition qui serait le fruit d'un impérialisme qui ne dit pas son nom ? Bon,
Comment arriver à démontrer que l'Occident et les penseurs qui s'y trouvent ne sont pas dans une logique de domination, ou en tout cas ne le sont plus? Mais peut-être qu'ils ne l'ont jamais été pour les plus grands penseurs, je pense à Cassin, et que l'idéal de la communauté humaine, non fracturé, c'est toujours leur idéal. Bon, alors à côté de cette approche philosophique, totalement idéale, voire idéalisée, mais dont on a besoin, se déploient des analyses plus politistes, qui ne postulent pas une véritable reconstruction, mais plutôt qui plaident pour la défense inlassable de l'existant, en dépit des vents mauvais, en dépit des vents contraires, en dépit des errances, ou des faillites, ou des limites de l'existant. Mais toujours quand même se battre pour l'existant, et c'est Stéphane Foa. Donc, l'approche c'est Yasha Monk, mais il a beaucoup écrit avec Stéphane Foa, donc je confonds. Pour Yasha Monk, ses propositions se situent donc à un autre niveau, plus stratégique, plus politique, qui provient de sa spécialité, qui est la science politique. Et lui, il défend de façon inlassable l'universel. Et il nous donne quelques clés dans son dernier ouvrage pour éviter le piège identitaire. Alors, ne pas céder à la honte, ni à la peur d'être en désaccord avec les partisans de l'identité. Ça, je trouve ça très très bien, parce que dès qu'on rencontre des gens qui développent une approche identitaire, on est tout d'un coup très honteux de ne pas exprimer un accord. Et alors on se tait. C'est très dangereux, c'est l'autocensure, c'est embêtant. Ne pas diaboliser les autres non plus, ceux qui ne pensent pas que l'universel est plus important que les identités. Bref, acceptons les désaccords légitimes, sans humilier et ou sans interdire la parole aux détracteurs de l'universel, et d'ailleurs vice-versa. Pourquoi, dit-il ? Lui, il est pratique. Il dit parce que les personnes qui aujourd'hui ne pensent pas universel, qui ne pensent qu'à travers le prisme identitaire, peuvent parfaitement évoluer devant les effets pervers qu'il démontre de l'identité. De l'identité et des effets pervers de cette idéologie qui est devenue délétère aux États-Unis. Et donc, ceux qui aujourd'hui défendraient avec passion et honnêteté, peut-être naïveté, l'identité, pourrait à la longue se rendre compte de ces effets pervers et revenir peu ou prou vers l'universel. Et alors, heureusement qu'il faut parler avec eux, continuer à discuter avec eux, parce que si on en fait des adversaires, en opposant immédiatement, alors ils ne reviendront pas vers nous. Alors, ils donnent des tas d'autres clés. Et je veux spécifier ici que Souleymane Bachir Ndiaye est un musulman sénégalais, le soufisme musulman est un islam très 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 bienveillant, et je veux aussi signaler, parce qu'il le met en avant, Souleymane Bachir Ndiaye dans son petit ouvrage Le fagot de ma mémoire, et Yasha Monk dans ses différents livres. Yasha Monk, lui, est juif, et il a une formule sublime. Il a écrit un livre, Stranger in my own country, où il expliquait que être juif en Allemagne, c'était toujours très compliqué, et Yasha Monk s'est naturalisé américain. Et en dépit de toutes ces persécutions, de toutes ces discriminations, en dépit de tout ça, il aurait pu prendre l'approche identitaire. Non. En dépit de ces affres incommensurables, il n'entend pas tomber dans le piège de l'identité, car pour lui, en fait, le remède pourrait être bien pire que le mal. Et l'envolée identitaire ne serait en effet pour lui qu'une chimère. Et je le cite encore, quand cette attention méritée parce qu'il comprend, et c'est là où il a une grande ouverture d'esprit, il comprend la logique identitaire. Quand cette attention méritée sur des catégories identitaires devient monomaniaque, elle se transforme en une dangereuse déformation de la réalité. Et donc, je pense qu'il faut vraiment le lire pour être en accord, désaccord, mais pour avancer dans nos réflexions. Et donc, il faut aussi, et je terminerai vraiment, vraiment par là, arriver à reconstruire de façon pratique nos logiciels. Et là, il faut éduquer. En fait, quand on vous lisez tous les auteurs, il y a toujours une idée qui revient. Comment arriver à tout reconstruire? C'est développer l'esprit critique. Et comment développer l'esprit critique? Par un enseignement et une éducation digne de ce nom. Donc là, ce que nous sommes en train de faire, grâce à ton invitation, est absolument nécessaire. Et donc, je finis vraiment
en citant un autre auteur qui s'appelle Elgas, Les bons ressentiments, essai sur le malaise post-colonial. Voilà un essai d'une fulgurance, d'une intelligence extrême où toutes les nuances sont présentes et où l'auteur, Elgas, c'est la contraction de son nom qui est plus compliquée, où l'auteur explique que ce qui compte pour ne pas se morfondre dans le communautarisme, dans les identités qui enferment et qui aveuglent, c'est la liberté de penser. Et il a le courage de le faire parce qu'il parle à ses frères africains en Afrique et en Europe pour assumer sa liberté de penser qui ne va pas tout le temps avec celle des siens. Donc, les bons ressentiments, essai sur le malaise post-colonial, il faut vraiment, vraiment le lire. Voilà ce qu'il dit. La seule quête urgente, c'est celle de la liberté de penser, se détachant de la pensée en communauté et des injonctions. Le primat communautaire s'est inféodé à toutes les logiques politiques et sociales où l'individu est à la remorque. Son aventure de souveraineté personnelle est soit niée, soit combattue. À terme, cela a créé la démission, coupé les ailes du rêve et installé le fatalisme comme évidence d'une destinée. Elgas plaide pour la souveraineté personnelle retrouvée, celle d'une pensée libre où le rêve peut à nouveau s'épanouir. Eh bien, moi, je veux, pour ma part, continuer de rêver l'universel en débattant sans hostilité et en contestant éventuellement sans jamais disqualifier. C'est ce qu'il nous demande. Alors, c'est ce que je fais. Merci voilà. Beaucoup.